Certaines œuvres sont la synthèse d'un auteur, d'une idéologie et d'une manière de faire du cinéma, que parfois certains spectateurs ont du mal à saisir lors de la sortie en salle, mais auquel le temps sait rendre justice. Certains auteurs passent leur vie entière à chercher le Graal, la sainte création qui donnera un sens à leur manière de concevoir le cinéma, de le mettre en perspective, de savoir insuffler à un métrage, ce souffle épique qui lui donne son sens, qui fait ressortir non seulement à quel point celui-ci a voulu transmettre une émotion, un sens profond de sa vision de l'art, ou simplement un regard sur un sujet qui lui semblait important. Et parfois, malheureusement, au travers de cette vision, certains auteurs sont incompris, ou sont un peu trop rapidement jugés par leurs prochains, parfois considérés comme un peu trop ambitieux, parfois simplement vus comme des metteurs en scène abusant de leur statut, et parfois même considérés comme des auteurs un peu trop romanesques, ou cherchant une vision de l'épique qui les dépasse certainement, mais que peut-être ils arriveront ensuite avec le temps et la patience des spectateurs à maîtriser. Et c'est ainsi que semblent se poser des visionnaires qui aujourd'hui ont un peu disparu de la surface de la planète cinéma du monde, même si heureusement il en reste quelques-uns à gauche et à droite. Et l'auteur et l'œuvre dont on va parler aujourd'hui sont clairement à prendre comme des morceaux de 7e art à l'état brut. Une œuvre démentielle à la hauteur de son metteur en scène. Une œuvre cherchant à parler non seulement d'un pays, mais également d'une vision du monde et du cinéma. Une œuvre ayant apporté énormément au 7e art, ayant réussi à captiver les foules dès sa sortie, malgré son envergure folle, et même si elle fut souvent considérée comme un morceau de cinéma un peu trop ambitieux, certains y ont vu quelque chose de plus. Il était une fois en Amérique est une œuvre atypique, un métrage comme on n'en fait plus aujourd'hui, où la grandeur et la décadence d'une nation est traduite de la plus belle manière qui soit, en nous contant simplement l'aventure d'un homme face à quelque chose de plus grand que simplement une manière de regarder son prochain ou de chercher à devenir célèbre, mais en ne comprenant pas les autres, en restant simplement enfermé dans sa bulle, quitte à transformer ce monde en chaos et à rester constamment dos à lui, persuadé d'être dans le vrai et dans la logique de celui-ci. Rentrons donc dans l'épopée épique et folle de Noodles, et de sa traversée de tout un pan de l'histoire de l'Amérique. Six auteurs se sont retrouvés aux commandes de ce scénario, et il n'en fallait pas moins. Franchement, pour le coup, difficile d'imaginer un seul auteur mettre en forme ce récit unique en son genre, l'œuvre d'un homme cherchant à relater non pas simplement l'histoire de l'Amérique avec un grand H, mais également l'histoire d'un homme en adéquation avec cette nation. Ne cherchant pas simplement à sortir la tête de la rue, mais cherchant également à marquer les esprits et à réussir à conquérir la femme de sa vie. Leone, Benvenuti, Arcari, Fellini, Medioli et Di Bernardi adaptent donc l'œuvre de Gray pour en faire un morceau cherchant à parler avec une rare élégance de la montée en puissance d'une période, essaye presque de retranscrire cette montée uniquement par le regard d'un homme, un homme ancré dans cette époque, mais également sonnant comme le miroir d'une société. La forme la plus pure et la plus fidèle possible de cette période charnière d'une Amérique qui résonne encore aujourd'hui comme la synthèse d'un temps que ces six auteurs ont su parfaitement synthétiser. Une histoire qui résonne comme une épopée à la fois romanesque, mais également humaine, et qui démontre surtout la beauté de ce scénario. Sergio Leone a toujours été un immense metteur en scène, capable de mettre en relief l'épique et le grandiose, et ici, il le fait avec une ingéniosité folle. La beauté de ce long métrage réside dans une envie simple, mais assez confondante de la part du cinéaste, de vouloir mettre en scène l'humain au sein d'un environnement qui résonne comme un labyrinthe dans lequel il est très facile de se perdre. Donc clairement, le scope habituel du metteur en scène n'aurait pas réussi à rendre justice à ses personnages et surtout n'aurait clairement pas donné justice au décor qu'il met en relief. Ainsi, son format, comme sa motivation principale de mise en scène et de rythme, devient l'humain. Comme le scénario, l'humain au centre de la petite comme de la grande histoire. L'humain au sein de quelque chose de si simple qu'un règlement de compte, qu'une rencontre amoureuse, qu'un passage de flambeau ou que simplement une confrontation nécessaire pour saisir les enjeux qu'il devra affronter par la suite. Une mise en scène au service d'un ressenti poussé dans un retranchement acerbe et un questionnement profond de l'humain jusque dans un dernier plan qui en aura surpris plus d'un et qui pour certains encore aujourd'hui reste un questionnement à lui tout seul. La démesure d'un cinéaste se mettant au service de personnages extrêmement simples mais capable de toucher le tout un chacun. L'envergure des décors, la majestuosité de tout ce qui se met en place devant nous, la beauté de la musique, tout cela forge la grandeur de cette œuvre. Une œuvre que l'on voit comme une synthèse créative et artistique rare, même encore aujourd'hui. Car souvent, on considère qu'un film est avant tout le travail de son auteur. Mais ici, comme sur beaucoup de grands chefs-d'œuvre du 7e art, résonne cette idée que la mise en scène se mette au service de bien plus que simplement l'imagination d'un réalisateur derrière une caméra, mais également du chef opérateur, du compositeur, du monteur et des décorateurs.
Ainsi, le travail de Ennio Morricone à la musique est ici sublimé par l'image fantastique de Tonino De Licoli, qui se met alors au service des décors splendides de Carlo Simi et des costumes de Gabriella Pescucci. Tout cela se fondant parfaitement avec le travail du montage fantastique offert par Nino Baragli, qui permet ainsi de faire ressortir toute la majestuosité de la mise en scène de Sergio Leone. Comme quoi, le travail d'un artisan, servant l'imagerie d'un opérateur, faisant ressortir l'élégance de l'enchaînement des différents plans d'un monteur, permettant alors au cinéaste de ressortir à nouveau, c'est cela, la beauté du cinéma. Un geste édifiant qui, pour moi, rappelle à quel point la puissance d'une œuvre ne réside pas uniquement dans l'ambition d'un auteur, mais avant tout dans la forme qu'elle prend. Si j'avais le temps, je parlerais de tous les acteurs de cette œuvre. Mais tâchons de garder en mémoire ceux qui nous semblent essentiels face à la caméra de Sergio Leone. La belle Elizabeth McGovern est une actrice bourrée de talent, qui ici, dans le rôle complexe et trouble de Déborah, permet au personnage de ressortir comme l'un des héros de cinéma les plus complexes mais également intenses à suivre, donnant beaucoup aux spectateurs en termes d'émotion. James Woods est splendide dans ce métrage dans le rôle de Max, apportant énormément à un héros secondaire charismatique qui en impose dès ses premières minutes à l'écran, apportant une émotion certaine au métrage et une ambiance forte quant au rapport entretenu avec le personnage de Noodles. William Forsythe et James Hayden sont également à retenir dans les rôles de Cockeye et Patsy, les deux acteurs apportant beaucoup par des prestations saisissantes et d'une extrême justesse tout du long du film, dont ils ressortent comme de vrais atouts. Bien sûr, il y a le grand et l'impérial Robert De Niro pour conclure, tout simplement extraordinaire ici, retrouvant un rôle assez similaire à celui qu'il avait joué dans Le Parrain deuxième partie, pour une interprétation de légende à la hauteur du personnage et du métrage. Un casting exceptionnel qui ressort clairement comme étant l'un des grands atouts de cette œuvre extraordinaire. Il y a des œuvres qui marquent, qui en imposent dès le premier visionnage. Et clairement, de mon côté, ce fut le cas pour cette œuvre du cinéaste italien. Le metteur en scène, parvenant à conjuguer tout ce qui a fait la forme et l'élégance de son cinéma, tout du long d'une œuvre ne sonnant jamais comme anecdotique ou simple, mais d'une telle complexité et d'une infinie profondeur cinématographique que l'on ne peut que rester tout simplement figé devant une telle maîtrise de la composition d'un cadre et d'une mise en scène. Sergio Leone a livré au cinéma, avec ce 12e et ultime long-métrage de sa carrière, une œuvre synthétique, un immense morceau de cinéma qui reste encore aujourd'hui à mes yeux, le témoignage d'un metteur en scène sur son époque, sur le regard qu'il a porté tout du long de sa carrière sur un art qui l'aura servi comme une légende et qu'il aura su totalement dominer pour livrer, à l'image de ses nombreux westerns et autres projets, des films sortant tout simplement clairement de l'ordinaire et dont la posture dans l'esprit des spectateurs reste encore à ce jour celle d'un génie qui traversera les époques et les générations comme cette œuvre de cinéma. Une œuvre légendaire, un chef-d'œuvre de cinéma comme on n'en fait plus, un immense morceau de 7e art.